Hey, bonsoir! C'est Cassandre en voiture! Oui, bonsoir, je voulais juste vous dire que le segment de Cassandre en voiture est un segment de qualité. Bonsoir. Fait que là, aujourd'hui, on m'a donné des défis. Les défis de l'année suivante. On m'a dit, Cass, tu t'habilles tout le temps dans les friperies. C'est un fait. C'est un fait. Mais là, Cass, quand tu vas avoir des enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis comme, je vais les habiller en friperie aussi. Ouais, c'est qui, là? Mel, c'est Vie, ouvre-moi. Va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mel! C'est quoi le rapport de ce bouton qui pousse là? Nouvelle des dernières minutes. Une jeune femme a tenté de se péter un bouton dans sa chambre de bain. Ce n'était pas n'importe quel bouton. C'était un bouton si violent qu'il a fait un tsunami! Ce bouton a créé un tsunami qui a, malheureusement, tué des centaines et des centaines de personnes. Maintenant, les segments météo. Bon, on s'en va-tu? Allô? On devrait y aller. On y va, hein? On y va. Alors, on s'en va direction le village des valeurs parce que je vais vous montrer qu'il y a possibilité de habiller ses flots dans une friperie. On vient d'arriver dans le coin des enfants. Si je peux vous dire un secret, ça m'arrive vraiment souvent de m'habiller dans le coin des enfants. C'est sûr que j'ai pas de cul, fait que sa mère, mettons que si t'as le cul à Nicki Minaj, je te le conseille. Je te conseille pas. Mais je suis jalouse. Je vais vous montrer. Chiki, comment elles sont belles? What the fuck, moi, c'est sûr, je les achète pour moi, même si c'est pour enfants, je m'en crise. Bonjour, je suis back du village des valeurs. Êtes-vous prêts à voir mes trouvailles pour enfants? Voici mes premières trouvailles que j'ai faites pour enfants. Moumou, il les apprécie. Regardez la belle petite casquette que je lui ai trouvée. C'est sûr que c'est peut-être la première fois qu'il porte une casquette et d'ailleurs une chemise de dragon. Alors, je pense qu'il n'est pas très très à l'aise dans cet accoutrement. Peut-être si je mets la casquette à l'envers, ça lui donnerait un look badass. I might chip out, man. I got this, yeah. Oh, par exemple, le Moumou, tu parles. Alors, cette casquette était à 1,99 $. Wouhou! Et j'ai trouvé une chemise dragon pour les enfants parce qu'il n'y a rien de plus à mode qu'un enfant avec une chemise dragon d'un bleu de mer assez incroyable. Alors cette belle chemise de dragon pour enfants était 2,99 $, donc tabarnouche, tu parles un beau kit. Oh, oh regardez le comment qui est cute! Oh mon dieu, mon cœur, c'est tellement mignon! Bon ben, crème, quand même, j'en reviens pas, checker ça! J'ai trouvé une petite salopette Tommy Hilfiger pour petit enfant. Et malheureusement, je n'ai pas de petit enfant. Hey, je l'ai quand même juste payé 1,99 $. Voici le dernier chapeau que j'ai trouvé. Wouhou! C'est un chapeau qui cache entièrement Titi. Et il n'apprécie pas vraiment. Donc on va lui laisser sa liberté. Au revoir mon petit loup. C'est génial parce que mon chat est en train de chier dans ma face. Et ce qui est génial, c'est surtout l'odeur qui s'en dégage actuellement avec la chaleur qu'il fait. Et l'odeur de marde. Et ce chat qui fait chier, ma vie est comblée. Oui. J'ai d'ailleurs aussi trouvé ce petit chapeau que je trouvais très adorable. C'est un petit chapeau cerise. Et il m'a coûté 99 sous. C'est sûr que c'est un chapeau qui ne me va pas vraiment comme un gant, je pense. J'ai terminé la vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires encore quelque chose d'inusité. Surprenez-moi dans les commentaires. Écrivez quelque chose que je ne m'attends pas. Et on se dit à bientôt pour une... prochaine vidéo! Bye! Au revoir! Oh, oh. Bah ouais.